Au pas à pas du livre des Actes des Apôtres, nous communions à la vie des premières communautés. Cette aventure qu'ils ont vécue, qu'ils ont commencée, est toujours la nôtre. Dans nos communautés et personnellement, c'est l'aventure de la foi. Ils proclamaient le Christ. Ils proposaient une rencontre avec celui qui libère, qui délie, qui guérit. Rencontre du Christ. La joie était au rendez-vous, nous dit le texte. Joie d'être témoins et acteurs de l'œuvre de Dieu. Joie de vivre de la force du ressuscité. Joie que la parole de Dieu soit accueillie. Je retiens pour nous la joie, ce fruit de l'Esprit-Saint. Habite-t-elle vraiment nos vies croyantes aujourd'hui et celles de nos communautés, souvent gémissantes? Nous ne savons pas nous réjouir avec Dieu de l'œuvre qui est la sienne, modeste parfois, empreinte d'humilité. Joie d'être appelé à œuvrer avec Dieu, par l'Esprit Saint, en nos vies, dans l'Église, dans le monde. Joie que l'Évangile soit annoncé toujours envers et contre tout, ici et ailleurs. Et joie de l'annoncer nous-mêmes et ne pas nous complaire dans nos limites, nos incapacités, nos attitudes stériles. Joie. La joie, elle est cette présence qui doit habiter le cœur de nos communautés chrétiennes comme elle était au cœur de la vie des premières communautés, parce que c'est la joie de l'Esprit-Saint, esprit de vie, esprit d'amour, Esprit de Dieu. La première lecture de ce jour, en plus, nous présente la première confirmation faite par Pierre et Jean. Ils n'avaient pas reçu l'Esprit-Saint, il le leur donne. C'est la joie donc de faire naître et de voir naître un peuple de témoins. Rappelons-nous, nous vivons une année de l'Esprit-Saint. Mission Azur, ça nous parle aussi. Eh bien, c'est ça. Veut-on vivre de cette joie, fruit de l'Esprit-Saint, et qui est un don, et non une méthode couée? Nous en avons besoin. Et Jésus nous confirme que cette joie se fonde sur sa présence. Je ne vous laisse pas orphelin. À vos côtés sera le défenseur, celui qui vous affermira dans mon amour et dans ma connaissance, et il vous fera aller encore plus loin, l'Esprit de vérité. Il sera pour toujours avec vous. Voici la clé de notre vie chrétienne et de la vie de nos communautés, accueillir et vivre de cette présence d'amour qui nous met au cœur du mystère de Dieu. Je suis en mon Père et vous êtes en moi. Et moi, en vous. Mais c'est communier à ce mouvement d'amour révélé par Jésus. L'Esprit en est l'âme. Vivre ainsi, c'est à notre tour en être porteur de cet esprit d'amour et de vie. Ce virus de l'amour ne nous confine pas, mais il fait de nous des témoins. Prions pour les catéchumènes qui seront baptisés, recevront l'Esprit-Saint bientôt, que le Christ se révèle ainsi pour eux et les fasse vivre. Prions les uns pour les autres. Prions pour que la joie dans nos cœurs et dans nos communautés soit la manifestation que nous sommes habités par l'Esprit-Saint. Bon dimanche.